Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble une soupe de courge. Alors, pour réaliser cette soupe, j'aurai besoin de courge évidemment. J'ai ici environ 400 g, une gousse d'ail, un oignon, une tomate, une pomme de terre, pardon, une carotte et un petit peu de la coriandre. J'aurai besoin de l'eau, de l'huile, du sel et un petit peu de crème fraîche à la fin. Alors, dans la marmite, je verse l'huile. Ensuite, je mets le tout ensemble. La courge, l'ail, l'oignon, les pommes de terre et, oups, la carotte. Ainsi que ma coriandre. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais saler mes légumes selon les goûts. Vous pouvez rajouter aussi le poivre noir. Après, je mets de l'eau jusqu'à ce que je remplis bien, je couvre mes légumes. Voilà, j'ai mis environ 1 litre d'eau et je mets à feu. Jusqu'à ce que je vérifie mes légumes, ils seront bien cuits. Et là, je passe au mixeur. Voici notre soupe bien cuite. L'eau a réduit, donc on va juste passer maintenant au mixeur. On va mixer le tout. Et voilà notre soupe. Ensuite, je vais rajouter quelques cuillères de crème fraîche. De mon côté, je vais rajouter 3 cuillères à soupe. Voilà, je remixe le tout. Et voilà, ma soupe, elle est prête à servir. Et voilà notre soupe de courge bien prête. J'ai juste rajouté quelques gouttes de crème fraîche. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.